Lecture du livre du prophète Jérémie 20, versets 10 à 13. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire, nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront et ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras. Car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Psaume 17, 18. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent. Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'Écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi, vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit
de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait. Et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signes, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait. Et il y demeura. Mes frères et sœurs, en temps de persécution, le retour dans sa terre natale est parfois une solution salutaire. Repartir aux racines de la foi, aux racines de la vie, aux racines de l'humanité en nous, aux racines de l'image de Dieu en nous, nous permet de nous ressourcer, de nous restaurer, de restaurer en nous le sens même de notre présence sur la terre. Retourner chez soi nous permet de retrouver l'objet même de notre vocation. Pourquoi suis-je né en fait? Pourquoi Dieu m'a-t-il fait? Quel est l'objet de mon existence, de ma présence sur la terre? Quand nous sommes persécutés et que nous doutons du bien que nous devons réaliser en ce monde, parfois il faut lâcher prise et retourner à la source pour restaurer en nous le but même de notre vie. Au moment où nous nous avançons vers le terme de ce carême, vers la fin de ce carême, nous nous rendons compte que l'histoire ne réussit pas toujours à enseigner les nations, à leur rappeler les erreurs de leurs pères et à les faire réfléchir sur le sort qui leur est réservé quand ils s'en prennent au juste, l'enfer éternel que Dieu réserve au diable et à ses anges. Mes frères et sœurs, le temps de carême est en fait aussi un regard sur le mal qui perdure dans le monde entier. Tant de crises, tant de guerres, tant de persécutions. Persécutions commises par d'hommes, par des hommes et des femmes méchants qui persécutent les justes, qui établissent des lois iniques, des lois mensongères, des lois abominables, pour cerner les justes, pour combattre le bien, pour combattre la vérité. Et c'est avec tristesse que nous constatons le refus entier, complet de se convertir provenant de telles personnes. Alors le juste, comme Jérémie, se plaint. Il est triste. Il se demande pourquoi les hommes sont si bornés. Pourquoi les hommes ne peuvent pas voir avec objectivité, avec évidence, le mal dans lequel ils sont? Alors, voyant tous ces malheurs, dont la pire est le manque de conversion, le juste va se réfugier en Dieu, son Seigneur, en Dieu, son Sauveur, son unique secours. Il entre à nouveau dans le ventre de sa mère, d'où il est venu et d'où il doit repartir afin d'accomplir sa mission avec courage. Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Car dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. Telle est la consolation du juste, que le Seigneur écoute sa voix, que le Seigneur est là et que le Seigneur le console par sa seule présence. Seigneur, accorde-nous cette grâce de te demeurer fidèle
au milieu des persécutions, au milieu de la méchanceté des hommes qui refusent de voir en toi le bien véritable. Accorde-nous, Seigneur, de nous souvenir toujours de ton alliance. Seigneur, tu tiendras tes promesses. Nos mains tendues n'attendent plus que toi. Agis, Seigneur, pour l'honneur de ton nom. Que le Seigneur, mes frères et sœurs, l'accorde à chacun et à chacune d'entre nous. Amen.